Bonjour, je vous propose une séance de yoga guidée pour la première série. Je vous laisse faire les adaptations que nous avons vues ensemble. Cela vous permettra de tenter de mémoriser les enchaînements et d'établir une pratique personnelle. Toutes les consignes que nous avons vues ensemble sont valides. N'oubliez pas de poser les genoux si vous fatiguez dans les Chaturanga Dandasana, de bien placer les bandhas, le souffle et la concentration du regard. Ce cours s'adresse à mes élèves, ceux qui ont l'habitude de mes consignes et qui comprendront la signification de mes conseils. Joignez les paumes de main, fermez les yeux, laissez venir une inspiration naturelle. Inspirez. Om. Vande Gurunam Shanalala Vinde Sandashita Swatma Sukhava Bodhe Nishreyase Jangalika Yamane Samsala Hala Hala Moha Shantyahe Abahu Purushakaram Chanka Chakrasi Dharinam Sahasra Shilasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Et sur une expiration, ouvrez les yeux, mettez les bras le long du corps pour Samastiti. Installez-vous confortablement, pieds joints, talons légèrement espacés. Répartissez le poids sur les deux pieds. Laissez venir une inspiration naturelle. Puis commencez à placer les bandhas, Muladhara Bandha, Uddiyana Bandha, Jalalanda Bandha. Souffle Ujjayi, rétrécissez le passage de l'air au niveau de la gorge en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Laissez tomber les deux fessiers vers les talons. Poussez dans les pieds, grandissez-vous, dirigez les doigts de main vers le sol, omoplate vers le bas. Respirez. Surya Namaskar A. Inspirez, mains jointes, regard vers vos pouces. À l'expire, mains à plat. Nuque relâchée, redressez les hanches à l'inspiration et gardez le poids dans les mains en expirant Chaturanga Dandasana. Roulez sur les orteils, inspirez Urdhva Mukha, tendez les bras, abaissez les épaules, allongez la nuque et à l'expiration Adho Mukha. Reprenez une inspiration, expirez, inspire. Expire. Troisième inspire. Expire. Quatrième. Expire. Cinquième et dernière inspire. Et à l'expiration, transférez le poids. Puis inspire, sautez, marchez entre les mains. Expire, main à plat, nuque relâchée. Expire. Et à l'inspiration, regardez les pouces, mains jointes vers le ciel et à l'expire, Samastiti. Inspirez, mains jointes, regard vers vos pouces. À l'expire, mains à plat, nuque relâchée. Redressez les hanches à l'inspiration et
Gardez le poids dans les mains en expirant Chaturanga Dandasana. Roulez sur les orteils, inspirez Urdhva Mukha, tendez les bras, abaissez les épaules, allongez la nuque et à l'expiration, Adho Mukha. Reprenez une inspiration. Expirez. Inspire. Expire. Troisième inspire. Expire. Quatrième. Expire. Cinquième et dernière inspire. Et à l'expiration, transférez le poids. Puis inspire, sautez, marchez entre les mains. Expire, main à plat, nuque relâchée. Expire. Et à l'inspiration, regardez les pouces, mains jointes vers le ciel et à l'expire, Samastiti. Inspirez, mains jointes, regard vers vos pouces. À l'expire, mains à plat, nuque relâchée. Redressez les hanches à l'inspiration et gardez le poids dans les mains en expirant Chaturanga Dandasana. Roulez sur les orteils, inspirez Urdhva Mukha, tendez les bras, abaissez les épaules, allongez la nuque et à l'expiration, Adho Mukha. Reprenez une inspiration. Expirez. Inspire. Expire. Troisième inspire, expire, quatrième, expire, cinquième et dernière inspire et à l'expiration transférez le poids, puis inspire, sautez, marchez entre les mains, expire, main à plat, nuque relâchée, expire et à l'inspiration, regardez les pouces, mains jointes vers le ciel et à l'expire, Samastiti. Surya Namaskar B. Inspire, mains jointes, fesses vers le bas pour Utkatasana. Sur l'expiration, flexion vers l'avant, mains à plat, nuque relâchée. Inspirez. Redressez lentement depuis le sol le buste. À l'expiration, poussez dans les mains pour Chaturanga Dandasana, coude collé. Sur l'inspiration, vous allez rouler vers l'avant sur les orteils, pressez le dos des pieds au sol, abaissez les épaules, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, fesses vers le ciel. Immédiatement inspire. Préparez jambes droites pour Virabhadra avec le regard vers les pouces. Et puis sur l'expiration, main à plat au sol, reculez la jambe et descendez pour Dandasana. Urdhva Mukha, en inspirant, poussez dans les paumes de main, ouvrez la cage thoracique, décollez le pubis. Expire, fesses vers le haut, Adho Mukha. Jambe gauche, inspire, Virabhadra, pouce et main jointe, regard vers les pouces. Expirez, main à plat, reculez la jambe, descendez en Chaturanga Dandasana et en roulant sur les orteils, sur l'inspiration, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha. Reprenez les placements des bandhas. Inspirez. Main bien ancrée dans le sol. Troisième inspiration. Le haut des bras qui tourne vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles. Quatrième inspiration, os fessiers vers le ciel. Et expire. Cinquième et dernière inspiration. Sur l'expire, vous transférez le poids, les épaules passent en avant des poignets. Inspire, marchez ou sautez. Redressez le buste. Expire, main à plat, nuque relâchée, front tibia. Et sur l'inspiration, fesses vers le bas. En premier, Utkatasana, les genoux ne couvrent pas les orteils. À l'expiration, Samastitihi. Inspire, fesses vers le bas,
Utkatasana. À l'expiration, main à plat, nuque relâchée, front tibia. Sur une inspiration, redressez depuis les hanches, puis poussez dans les mains à l'expire pour Chaturanga Dandasana. Descendez au ras du sol, inspire en roulant sur les orteils, Urdhva Mukha, abaissez bien les épaules, enroulez le coccyx, pressez dans les coups de pied, expire, Adho Mukha. Préparez Virabhadra, jambe droite sur l'inspiration, pousse vers le haut, expire, Chaturanga Dandasana, coude collé contre le grill costal, roulez sur les orteils, inspire, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha. Inspire, jambe gauche, Virabhadra, hanche parallèle au mur, et à l'expire, Chaturanga Dandasana, descendez au ras du sol, coude serré, poussez dans les pieds, tendez les bras, Urdhva Mukha sur l'inspiration, expire, Adho Mukha. Reprenez la respiration, le regard vers le nombril ou les genoux. Deuxième inspiration, main qui adhère au sol, bandha absorbée. Troisième inspire, poussez bien dans les pieds, soyez léger dans les appuis. Quatrième inspiration, la posture monte vers le haut. Cinquième inspire. Et à l'expiration, transférez le poids, les épaules en avant des poignets, puis restez dans les mains. Inspire, sautez, buste redressé, bout des doigts au sol. Expire, main à plat, nuque relâchée. Inspire, Utkatasana, les fesses en premier vers le bas. Et à l'expiration, Samasthitihi. Inspire, main jointe, fesses vers le bas pour Utkatasana. Sur l'expiration, flexion vers l'avant, main à plat, nuque relâchée. Inspirez, redressez lentement depuis le sol, le buste. À l'expiration, poussez dans les mains pour Chaturanga Dandasana, coude collé. Sur l'inspiration, vous allez rouler vers l'avant sur les orteils, pressez le dos des pieds au sol, abaissez les épaules, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, fesses vers le ciel. Immédiatement inspire, préparez jambe droite pour Virabhadra avec le regard vers les pouces. Et puis sur l'expiration, main à plat au sol, reculez la jambe et descendez pour Dandasana. Urdhva Mukha, en inspirant, poussez dans les paumes de main, ouvrez la cage thoracique, décollez le pubis. Expire, fesses vers le haut, Adho Mukha. Jambe gauche, inspire, Virabhadra, pouces et mains jointes, regard vers les pouces. Expirez, main à plat, reculez la jambe, descendez en Chaturanga Dandasana et en roulant sur les orteils, sur l'inspiration, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha. Reprenez les placements des bandhas. Inspirez, main bien ancrée dans le sol, troisième inspiration. Le haut des bras qui tourne vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles, quatrième inspiration, os fessier vers le ciel. Et expire. Cinquième et dernière inspiration, sur l'expire, vous transférez le poids, les épaules passent en avant des poignets, inspire, marchez ou sautez, redressez le buste. Expire, main à plat, nuque relâchée, front tibia. Et sur l'inspiration, fesses vers le bas. En premier, Utkatasana, les genoux ne couvrent pas les orteils. À l'expiration, Samasthitihi. Padangusthasana. Inspire, pied, écart, largeur, bassin, main à la taille avec les coudes parallèles et à l'expiration, flexion vers l'avant, vous saisissez les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur. Inspirez, redressez le buste et à l'expiration, penchez vers l'avant. Inspirez.
Pensez bien à placer les bandhas, à monter les os fessiers vers le haut, poids vers l'avant. Dernière inspiration, redressez le buste sans lâcher les orteils. Expire, placez les paumes de main sous les pieds. Reprenez une inspiration et à l'expiration, plongez vers l'avant. Padmasana. Inspire, placez à nouveau les bandhas si vous les avez relâchés. Deuxième inspire, toujours le poids vers l'avant. Inspirez, redressez sans lâcher les pieds et à l'expire, vous ne bougez plus, vous placez les mains à la taille en relâchant la nuque. Inspire en poussant dans les pieds, vous redressez, expire, samasthitihi. Ouvrez en inspirant, en tournant sur la droite, Uttita Trikonasana, l'expire, vous descendez le buste vers le bas, vous posez la main sur la cheville droite et en inspirant, bras gauche vers le ciel. Reprenez une inspiration, les bandhas placés, expirez. Poussez bien dans les pieds à l'inspire, montez bien la posture vers le haut, laissez tourner les deux cuisses vers l'extérieur, rotation externe depuis les chevilles. Inspirez en tournant bien la taille, expire, regardez vers le sol. Sur une inspiration, redressez le buste. Pivotez les pieds de l'autre côté, expire, Uttita Trikonasana de l'autre côté. Sur une inspiration, vous redressez bien votre posture vers le haut, le pied arrière, les orteils légèrement vers l'intérieur et toujours les deux cuisses en rotation externe, les bras bien parallèles, bien dans le prolongement du buste et expire, vous allez regarder vers le sol en inspirant, vous redressez, pivotez vers la droite, hanche face à la fenêtre. À l'expire, Parivrita Trikonasana. La main gauche à l'extérieur du pied droit ou à l'intérieur du pied droit. Les deux hanches parallèles au sol. Vous tournez bien les épaules, les bras dans le prolongement l'un de l'autre. Le regard sans tordre le cou vers le plafond. À l'expire, vous regardez vers le sol, inspirez, vous redressez, pivotez les pieds de l'autre côté, pied arrière à 45 degrés et en expirant, vous fléchissez sur la jambe avant. Placez également la main à l'extérieur ou à l'intérieur du pied. Respirez profondément, expire, inspire et expire. Dernière inspiration et à l'expiration, vous regardez au sol. Sur l'inspire, vous redressez, pivotez les pieds. Expire, samastiti en avant du tapis. Uttita Parsva Konasana. Sur l'inspiration, ouvrez un tout petit peu plus grand sur la droite. Ramenez le pied arrière à 45 degrés et à l'expiration, pliez le genou droit et posez la main droite au sol à l'extérieur du pied ou le coude sur votre genou. Essayez d'aligner les deux fessiers, de faire en sorte d'avoir la poitrine parallèle au mur en face de vous, l'aisselle qui regarde vers le sol pour le bras qui est tendu au-dessus de votre visage, paume de main qui regarde vers l'arrière. Tenez la respiration, essayez de ramener le fessier sous le corps, de ne pas laisser sortir les fesses vers l'arrière. Expire, regardez vers le sol et en inspirant, vous pivotez sur les pieds. Et à l'expiration, vous fléchissez la jambe gauche, main gauche à l'extérieur du pied ou le coude gauche sur le genou. Veillez à ce que votre pied arrière soit bien ancré dans le sol avec les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. La respiration passe dans la cage thoracique, les bandhas sont présents. Le regard
vers le plafond sans tordre la nuque. Vous allongez nuque et buste. Ramenez bien les côtes flottantes vers les crêtes iliaques. Tournez bien les épaules pour faire une ligne. Et à l'expiration, regard vers le sol. Inspire, vous redressez, vous pivotez complètement face à la fenêtre à l'arrière de vous, au fond de la salle. Genou gauche qui se pose au sol, vous venez redresser le bras gauche et à l'expire, vous placez l'aisselle gauche à l'extérieur du genou droit. Main en prière, vous tournez les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez, si vous êtes confortable, ouvrir les bras, poser bras gauche à côté du pied droit et tendre le bras droit qui passe au-dessus du visage. Et les deux épaules cherchent à s'aligner l'une sous l'autre. Si vous êtes confortable, crochetez le pied arrière, tendez la jambe arrière. Et toujours, si vous êtes confortable, ramenez le talon au sol, le talon de la jambe arrière à 45 degrés. Vous êtes installé dans la posture de Parivritrapasva Konasana. Et vous pouvez reprendre les bandas si ce n'est pas déjà fait. Laissez passer la respiration uniquement dans votre thorax. Le regard toujours qui suit sans tirer sur les nerfs oculaires. À l'expire, regardez vers le sol. Sur une inspiration, en défaisant la posture, vous redressez, vous pivotez sur les pieds de l'autre côté. Vous mettez le genou droit au sol. Vous pliez la jambe gauche et vous allez placer l'aisselle droite à l'extérieur du genou gauche. Main en prière. Tournez les épaules, rentrez le nombril vers la colonne. Si vous êtes confortable, même chemin, vous pouvez poser la main droite à l'extérieur du pied gauche, les bouts de doigts vers l'avant. Tournez toujours un peu plus les épaules pour aligner épaule droite, épaule gauche. Tendre le bras gauche vers l'avant, paume de main vers l'arrière. Gardez les fesses parallèles au sol. Décollez le genou arrière en crochetant vos orteils, tendez la jambe. Et si vous êtes bien, ramenez le talon au sol, respirez, concentrez-vous sur votre souffle. Et vous allez à l'expire, regardez au sol et sur l'inspiration, redressez, vous trouvez pieds parallèles, pieds écarts, les bras le long du corps, face au mur des vestiaires et sur la prochaine expiration, pivotez pour être en avant de votre tapis en samastiti. Prasarita Padottanasana. Sur l'inspiration, placez les mains à la taille. À l'expire, flexion vers l'avant, posez les mains sous les épaules, mains à plat. Inspire, redressez le buste, creusez légèrement le bas du dos. Et à l'expiration, laissez plonger le buste vers le bas, reculez vos mains sur la ligne des talons. Vous allez essayer de laisser basculer le poids légèrement vers l'avant. Les deux pointes de pied sont tournées légèrement vers l'avant, vers l'intérieur. Vous écartez les os fessiers. Vous gardez les coudes parallèles. Si la tête va au sol, laissez la tête se reposer au sol. Sur une inspiration, sans lâcher le sol avec les mains, vous redressez le buste. Expirez sans bouger. Placez vos deux mains à la taille, relâchez votre nuque et sur l'inspire, redressez le buste. Expirez. Inspire, bras écarts. Expire, mains à la taille. Reprenez une inspiration sans bomber le torse et à l'expire, fléchissez par les hanches, tête vers le sol, coude parallèle. Inspire, bandha repris immédiatement, veillez à avoir les pointes de pied vers l'intérieur. Une autre inspiration, vous allongez le buste, vous allongez les bords de la taille. Vous laissez vos cuisses en rotation interne. Respirez toujours avec les bandas, uniquement le thorax qui respire. Vous expirez maintenant et sur une inspiration, vous redressez le buste. Expirez une fois en haut. Inspire, bras écarts. Expire, entrecroisez vos doigts, paume de main vers le plafond, dans le dos et sur l'inspire, tendez bien les bras. Expire, flexion vers l'avant. Vous gardez les bras tendus, vous essayez de ramener les mains au sol en avant de la tête. Vous allongez les deux bords de la taille. La tête
cherche à aller rejoindre le sol, les fesses vers le plafond. Le poids toujours légèrement sur l'avant des pieds, puis sur une inspire, vous redressez jusqu'en haut, menton dans la gorge. Expire, vous placez les mains à la taille, coude parallèle. Reprenez une inspiration pour le dernier Prasarita. Expire, fléchissez vers l'avant et venez crocheter avec le majeur, le pouce et l'index, les gros orteils des deux pieds. Sur une inspire, en tendant les bras sans lâcher les orteils, vous redressez le buste. Et à l'expiration, flexion des coudes, coude orienté vers les tibias, tête vers le sol. Et gardez les bandas bien absorbés, le regard dans toutes ses postures est orienté vers le bout du nez. Poids vers l'avant. Respirez. Gardez la concentration, le souffle et la légèreté dans la posture. Dernière expiration, vous allez inspirer, tendre les bras, redresser le buste. Expire sans bouger, main à la taille, coude parallèle, poussez dans les pieds, utilisez Muladhara Bandha pour remonter à l'inspire avec le menton dans la gorge. Et sur une expiration, en avant de votre tapis, en Samasthiti. Reprenez la position des pieds, gros orteils en contact, la verticalité du corps. Et vous allez placer les mains en prière dans le dos. Attrapez vos coudes et pivotez sur l'inspiration face à la fenêtre à l'arrière de la salle. Le pied droit pointé vers l'avant, pied gauche 45 degrés. Ramenez bien la fesse droite vers l'arrière et avancez la hanche gauche. Sur une inspiration, vous allongez les deux bords de la taille et sur l'expiration, vous fléchissez par les hanches en allongeant toujours la taille, le visage à l'intérieur du pied droit. Vous relâchez la nuque, vous essayez de garder vos hanches parallèles et de tenir la respiration. Inspirez, redressez le buste, pivotez les pieds, écartez un tout petit peu les pieds pour décroiser, veillez à avoir pied droit 45 degrés, pied gauche pointé vers l'avant, ramenez la hanche droite vers l'avant et reculez la hanche gauche. Inspirez, allongez les bords de la taille et sur l'expiration, fléchissez les deux plis de laine en même temps en allongeant le buste et en laissant aller le visage à l'intérieur du pied gauche. Nuque bien relâchée, banda bien absorbée, le souffle thoracique. Sur l'inspire, redressez, pivotez les pieds, défaites les bras, vous avez les bras le long du corps, vous êtes face au mur des vestiaires. Sur l'expiration, vous revenez en avant en Samasthiti, les deux pieds joints avec les talons légèrement espacés. Reprenez le souffle, drishti déposé sur les arêtes du nez. Concentration, respiration toujours régulière. Inspire, levez les bras, regardez les pouces pour le vinyasa et à l'expiration, main à plat, nuque relâchée. Inspire, redressez depuis les hanches et à l'expiration, poussez dans les mains Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Direct, continuez d'expirer, transférez le poids dans les mains et en inspirant, sautez ou marchez pour venir vous asseoir en Dandasana. Dandasana, les deux mains de chaque côté des ischions, ancrez les talons dans le sol. Redressez les deux côtés de la taille, menton dans la gorge pour allonger la nuque. Respirez de façon thoracique, régulière, profonde, tout en gardant les yeux le long du nez sans loucher. Prochaine expiration, venez saisir le bord extérieur des pieds pour Paschimottanasana. Sur une inspiration, vous redressez le buste. Vous allongez le bord de la taille, vous avancez les talons vers l'avant et à l'expiration,
Rapprochez le ventre et les cuisses. Vous pouvez garder les genoux pliés. Respirez de façon régulière. Toujours cage thoracique mobile, bandha absorbée. Respirez. Allongez le sommet du crâne vers l'avant. Puis, sur une inspiration, redressez le buste. Expire. Vous allez soulever le corps en inspirant pour le vinyasa. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Et vous venez transférer le poids et vous asseoir directement pour vos Tanasana. À l'expire, vous posez les mains à l'arrière, doigts orientés vers les fessiers. Pointez les pieds et en inspirant, soit vous arquez le dos et avec les omoplates comme si vous vouliez ouvrir grand la poitrine. Et vous pouvez lever les fesses si vous êtes confortable, garder menton dans la gorge. Ou bien, vous pouvez garder toujours la nuque allongée. Respirez, regard vers le bout du nez, bandha tenue, les bras tendus, les épaules dégagées des oreilles et à l'expiration, posez. Vinyasa, sur l'inspire, vous soulevez le corps, à l'expire, vous partez en Chaturanga Dandasana, inspirez Urdhva Mukha, expirez Adho Mukha, transfert du poids directement et vous revenez en inspirant pour vous asseoir. Une fois assis en Dandasana, inspire, ouvrez sur le côté la jambe droite pour Janu Shirshasana. Vous saisissez le bord de la jambe gauche ou vous saisissez le pied gauche. Inspirez, allongez le buste et à l'expire, plongez vers l'avant. Allongez continuellement la taille. Pas de dos rond, le sternum va vers les coudes pieds. Les oreilles avancent vers les petits orteils. Tendez bien la jambe gauche ou gardez le genou légèrement fléchi. Sur l'inspiration suivante, vous allez redresser le buste, expirez sans bouger. De là, un vinyasa, vous croisez les jambes, soulevez à l'inspire. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Transfert du poids et sur une inspiration, revenez vous asseoir. Inspire, jambe gauche en Janu Shirshasana, vous ouvrez à 90 degrés les deux cuisses, vous saisissez le bord de la jambe droite ou les bords du pied, vous placez les bandas et en expirant, vous vous allongez, sternum ouvert vers les coudes pieds pour plonger vers le sol. Les épaules sont loin des oreilles, les bandas sont immédiatement replacés. Respirez. Chaque inspire crée de l'espace et à chaque expiration, cherchez à améliorer la flexion au niveau des plis de l'aine. Respirez toujours, concentration sur le souffle dans la cage thoracique et sur une inspiration, vous allez redresser, croiser les jambes. Pour le vinyasa, soulevez à l'inspiration, expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha sur une inspiration, Adho Mukha, expire, continuez de transférer le poids et revenez en sautant ou en marchant pour vous asseoir sur une inspiration. Expire, vous vous allongez sur le dos pour le demi-pont ou le pont. Donc on va avoir le guidage du demi-pont en premier, donc vous ramenez les pieds proches de vos fessiers, pieds parallèles, genoux parallèles, les chevilles sont sous les genoux. Sur une inspiration, vous commencez par bien plaquer le bas du dos et soulever le coccyx pour monter vertèbre par vertèbre en appui sur vos épaules et vous entrelacez les doigts dans le dos. Vous faites la posture trois fois comme ceci ou vous pouvez également faire Urdhva Dhanurasana. Pour Urdhva Dhanurasana, le guidage et le même, vous retournez bien les doigts, vous gardez les pieds parallèles et vous tendez les bras, les jambes, toujours l'enroulé du coccyx pour allonger le buste. Quelle que soit l'option choisie, vous allez poser le corps au sol
Et sur l'inspiration, vous reprenez la deuxième posture, vous montez vertèbre par vertèbre pour le demi-pont, où vous tendez bien les bras et les jambes. Toujours la bascule du bassin. N'oubliez pas. Respirez, encore une. Le pont, vous posez uniquement la tête, vous rapprochez les mains des pieds, vous remontez à l'inspire. Le demi-pont, vertèbre par vertèbre, vous déposez, bascule du bassin pour poser le bas du dos avant de poser la nuque. Les fesses, pardon. Et une dernière inspire, vous allez redresser toujours progressivement pour le demi-pont. Poussez un peu dans les pieds, montez plus haut. Essayez d'améliorer à chaque fois la posture. Et prochaine expiration, vous descendez le corps au sol. Paschimottanasana, vous expirez, vous fléchissez vers l'avant et vous faites la pince de votre choix. Vous pouvez entrelacer les doigts par-delà les pieds, crocheter les gros orteils ou poser les mains de chaque côté de vos jambes. Choisissez la posture qui vous fait du bien. Amplifiez la respiration. Amplifiez la respiration thoracique. Toujours poitrine ouverte, sternum qui avance vers les coups de pied. Relâchez bien votre nuque et cherchez à fléchir par les hanches et à creuser les plis de laine. Respirez et égalisez les inspires et les expires. Puis nous allons sur une inspiration, doucement redressée. Puis Vinyasa pour venir vous asseoir, Vinyasa à votre rythme. Faites les enchaînements de mémoire jusqu'à venir vous asseoir une fois l'expiration après Adho Mukha terminée. Vous allez inspirer, expirer allongé sur le dos et sur l'inspire. Vous allez vous installer à Salamba Sarvangasana, la chandelle. Prenez bien soin de ne pas écraser votre nuque, de pousser dans vos coudes, pousser dans les épaules. La tête ne bouge plus. Vous gardez tout le temps le regard vers le plafond ou vers le bout du nez, sans loucher. Vous respirez de façon profonde. Vous égalisez les inspires et les expires. Vous redressez constamment la posture. Si c'est possible pour vous, ramenez les mains vers les omoplates pour verticaliser. Essayez d'avoir les talons, les chevilles et les hanches alignées. Même durée d'inspire, même durée d'expire. Puis sur une expiration, Alasana, la charrue, vous fléchissez par les hanches et ramenez les jambes, pieds derrière votre tête, pieds pointés, les ongles des pieds sur le sol. Vous pouvez garder les mains dans le dos ou venir entrelacer les doigts, poings au sol. Regard vers le bout du nez, régularisez les inspires et les expires. Revenez au bandha dès que possible. Conscience de votre souffle, conscience de votre centre, respirez. À l'expire prochaine, laissez aller les deux genoux de chaque côté des oreilles pour Karna Pidasana. Karna qui signifie oreille. Bouchez-les, pressez si les genoux sont en contact avec les oreilles. Respirez toujours thoracique, les mains peuvent rester entrelacées au sol ou elles peuvent venir soutenir le dos. Sur la prochaine inspiration, remontez en chandelle. Replacez les mains dans le dos et vous allez croiser vos jambes soit en Sukhasana tailleur ou en lotus. Vous pouvez utiliser les mains pour fixer le lotus. Posez vos mains sur les genoux si vous tenez en équilibre, bras tendus, ou gardez les mains dans le dos. Regard vers le bout du nez, bandha absorbé, verticalisez la posture. Urdhva Padmasana. Puis vous allez à l'expiration, laissez descendre les genoux vers les épaules et collez les cuisses contre le buste pour Pidasana. Et vous allez
Encerclez vos jambes avec les mains, toujours le souffle et les bandhas présents, le drishti vers le bout du nez sans loucher. Puis, sur la prochaine expiration, déroulez doucement le dos jusqu'à arriver pour Matsyasana le poisson. Vous pouvez soutenir la descente avec les mains. Gardez les jambes croisées ou en demi-lotus ou en lotus. Les coudes au sol, inspirez, arquez le dos et déposez le sommet de la tête au sol. Ouvrez bien la poitrine, front lisse, le regard vers le bout du nez, mâchoire détendue. La respiration régulière, la poitrine qui s'arc et qui s'ouvre, grande ouverture au niveau du sternum. Et sur une inspiration Uttana Padasana, vous tendez les bras, vous tendez les jambes, vous restez en appui sur le sommet du crâne et sur les fesses, mains jointes, jambes tendues. Vous pouvez à ce stade faire un vinyasa, rouler sur le côté, ou chakrasana. Chakrasana, c'est la roulade arrière, certains l'ont fait avec moi. Vous pouvez retourner les doigts, envoyer les jambes avec de l'élan pour vous retourner. Arrivez en chaturanga dandasana, inspire urdhva mukha, expire adho mukha. Et vous revenez vous asseoir à genoux pour shirshasana. Shirshasana, on va faire plusieurs versions, vous pouvez progressivement aller de plus en plus loin dans la posture. Vous pouvez vous mettre proche d'un mur. Vous allez croiser les doigts, les poser au sol pour faire comme une corbeille, les coudes légèrement plus espacés que vos épaules. Vous allez tendre vos jambes et marcher pour verticaliser vos fesses au-dessus de vos épaules. Vous pouvez rester à ce stade ou sur une inspiration, laisser décoller les pieds, garder les jambes pliées ou tendre les jambes en shirshasana. Vous pouvez rester jusqu'à 25 ou 50 respirations. Le regard toujours sur le bout du nez. Respirez de façon régulière, 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Pour ceux qui souhaitent, nous allons explorer la deuxième version de Shirshasana, Urdhva Dhanurasana. Vous allez basculer légèrement les fesses au-delà de la tête et plier les jambes à 90 degrés. Restez là, 5 respirations. Essayez de tenir l'équilibre, de basculer légèrement pour équilibrer la posture. Elle doit être facile et légère. Et sur la prochaine inspire, revenez en Shirshasana. Respirez toujours, regard vers le bout du nez. Et à l'expire, Balasana, vous défaites la posture. Tous ceux qui ont quitté la posture avant, vous étiez à genoux au sol, front au sol, les bras soit tendus vers l'avant, soit le long du corps. Respirez Ujjayi continuellement. Puis Vinyasa ou pas, pour vous installer en Baddha Padmasana. Baddha Padmasana, vous pouvez le faire en lotus, en demi-lotus ou en tailleur Sukhasana. Les versions en lotus peuvent, quand vous penchez en avant, venir crocheter avec vos mains les doigts de pied, comme sur les photos. Pour ceux en Sukhasana, en tailleur, vous pouvez attraper le poignet droit et le front au sol à l'expire. Vous égalisez inspire et expire. Vous gardez continuellement la concentration sur le souffle et les bandhas. Yoga Mudra, cette posture relie les énergies terrestres et cosmiques. Vous êtes complètement reliés, tout circule à l'intérieur de vous. Puis à la prochaine inspiration, vous allez redresser le buste. Placez vos mains en Jnana Mudra, pouce index en contact avec les doigts tendus, coudes tendus. Les coudes tournés vers le sol et le creux des coudes vers le ciel. Verticalisez la posture et respiration Ujjayi.
Inspirez, redressez pour Upluti. Vous allez poser les mains de chaque côté et sur une inspiration, vous soulevez. Regard vers les bouts du nez. Tenez 5 respirations. On en est juste à la 3e. Poussez les épaules vers le bas, poussez dans les mains. Encore une et dernière, inspire et à l'expire, vous pouvez poser le corps au sol. Ceux qui souhaitent, faites un vinyasa. Vous soulevez le corps à l'inspire, expire Chaturanga Dandasana. Inspire Urdhva Mukha, expire Adho Mukha pour revenir vous asseoir en Sukhasana tailleur ou Padmasana demi-lotus. Placez les pommes de main en prière en avant de la poitrine pour le mantra de fermeture. Fermez les yeux pour le Om. Om Svasti Prajabhyara Pali Palayantam Jnanigamagena Mahe Mahe Saha Go Brahmane Bhyaha Lokamastu nityam lokah samastah sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Et sur une expire, ouvrez les yeux et allongez-vous en Shavasana. Installez-vous confortablement. Allongez bien tout le corps au sol, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, écartez légèrement les pieds l'un de l'autre, écartez les bras, tournez les mains de façon à avoir les paumes de main tournées vers le ciel. Allongez bien la partie du dos au sol, éloignez les épaules, détendez la région des épaules. Allongez votre nuque et détendez toute la partie du crâne, le cuir chevelu, le front, détendez les peaux du visage, détendez les yeux, desserrez les paupières, relâchez votre mâchoire, déposez la langue au fond de la gorge, relâchez le sternum, abandonnez toutes vos viscères au fond du corps, même votre cerveau, détachez-le de l'avant du crâne et laissez-le tomber dans la boîte crânienne. Apaisez la région du ventre. Reprenez une respiration naturelle et observez les sensations. Ressentez la pesanteur du corps sur le sol. Ressentez l'air sur tout l'avant de votre corps. Détendez progressivement tout ce qui peut être tendu. Sur vos inspirations, développez le souffle jusque dans vos extrémités. Attardez-vous dans les sensations sur les paumes de main. Explorez. Explorez tout le volume intérieur et à chaque expiration, relâchez profondément le corps. Abandonnez. Développez la sensibilité, l'écoute et l'accueil de toutes les sensations. Si le dos tire un petit peu, posez les pieds au sol et déposez chaque genou l'un contre l'autre pour ne pas forcer. Reprenez doucement contact avec tout le corps au sol. Commencez à légèrement remuer les doigts de pied, les doigts. Roulez les bras, les jambes. Éventuellement, frottez le visage, caressez le visage. Et tournez-vous sur le côté droit. Vous pourrez revenir quand vous le souhaitez. Les postures de fin peuvent être tenues jusqu'à 5 minutes pour permettre de récupérer et d'intégrer toute la pratique. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi.
Et je vous dis à la prochaine pratique.